matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma paix, faut te souhaiter. On est en place. S'il apprend une nouvelle de Boris Vian, entre parenthèses, j'ai bien connu, qui est merveilleuse. On était dans l'appartement de Boris Vian pour faire la lecture. C'est un moment assez fort et touchant. Et le scénario est extraordinaire. Ils ont fait un boulot, mais magistral. Très proche, pour ceux qui l'ont connu, de l'univers de Boris Vian. Et mon personnage, alors je dois dire que je l'adore, mais vraiment. Beaucoup de travail parce qu'il a beaucoup de textes, mais merveilleux. Et deux reporters viennent le voir. Moi, je joue le rôle de Jérôme, le reporter France 3 Région Poitou-Charentes. Ouais. Et moi, je joue le rôle de Arnaud, qui est le caméraman de France 3. C'est son chef-op, quoi. Et on vient donc pour faire un sujet sur la canicule au départ. Et donc, j'ai un accessoire ici du film indispensable. Il suffit de se mettre un peu de brumisateur comme ça. Ouais. Et tout de suite, à la caméra, on a l'impression qu'il fait chaud. Ouais, mais là, il fait chaud là. Il n'est pas chaud là. Tu veux avoir chaud un peu? Ah, voilà. Chaud. Là, on a un raccord canicule comme dans le film. Et là, il arrive plein de choses qu'il est impossible de vous raconter maintenant, des événements absolument insensés et très merveilleux. C'est plus proche. Ouais. Et soit où? Je préfère garder conscience. Non mais c'était fort. On a beaucoup de chance là de faire ça avec Anne-Laure et Léo, les réalisateurs qui ont un univers assez incroyable. Et puis tu vois, mélange, c'est poudré de Boris Vian, avec Jacques Carlin qui a connu Boris Vian, qui a connu toute cette époque. Oh, il y a bien longtemps, je suis un vieil homme. Et c'est à la grande époque de Saint-Germain-des-Prés où j'avais la direction artistique d'une boîte qui était fort connue à l'époque, qui s'appelait Le Tabou. Et après le spectacle, il y a beaucoup de jazzmen qui venaient, comme ça, dont Boris Vian. Et on a fait amitié, il m'aimait beaucoup, je l'adorais. Et puis voilà. C'est bon? Allez! C'est bon! Action, répétition! Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir déménagement.